Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. Donc, j'étais en train de commencer à faire un album, puisque je commence à faire à préparer le marché de Noël. Et je me suis dit pourquoi pas le finir avec vous. J'y ai pas pensé plus tôt, je suis désolée. Mais comme je suis en plein dans le travail. Après, quand j'arrive, j'essaye de faire quelques trucs pour le marché de Noël. Voilà, c'est pas, j'ai pas trop le temps, mais bon, là j'ai un petit peu le temps, donc pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas finir avec vous. Donc, je fais un album sur le thème vintage, un peu sur les tons roses. Papillons, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc pour ça, j'utilise cette petite, oui, d'action. Donc voilà, sur ce thème-là, vous savez, c'est des petites carteries à, c'est déjà prédécoupé. Donc il y en a plusieurs, il y a tout ça. Voilà, donc moi j'en ai déjà utilisé, bien sûr. Donc je fais avec ça parce que je trouve que quand même au marché de Noël, tout le monde a le droit un petit peu de se faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire des albums ou des cahiers à petit prix pour que tout le monde soit content et trouve un peu son bonheur. Donc, voilà. J'utilise du coup ça. J'ai utilisé. Alors, attendez que je vous le cherche. Oh, ah oui, celui-là, je l'avais dans les mains, excusez-moi. J'ai utilisé ce bloc-là. Donc là, je vais utiliser celui-là maintenant. Je vous dis à peu près hein, ce que je prends. Donc la mousse 3D. Donc des carteries. Hop. Carteries avec album. Je vous ferai le prochain album que je ferai, je vous le ferai avec vous, même s'il prend un petit peu de temps, mais je le ferai avec vous. Donc là, je suis venue coller tout autour, voilà, ma lettre. Donc là, vraiment, il y en a 6. Donc, j'ai fait ma base. Donc, je suis venue ancrer, comme ça m'évite hein, d'ancrer tout. Donc voilà, donc, je suis venue faire je sais plus. Voilà. Donc du coup, là j'en ai 6. Moi j'en ai fait 6. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Donc après ça je recouvrirai aussi, je vais décorer aussi. Donc mon album fait. Alors, 17 et demi sur. 17 et demi. Voilà. Et là, donc j'en ai déjà fait 3. Donc celui-là. Celui-là, où on peut bien évidemment mettre une photo. Je suis venue ancrer, j'ai fait un petit tampon. Donc, hop. Là, juste des tampons derrière pour mettre des photos, tout simple. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Je le remets. Donc là, pareil. Ancré. Il y a des petites. Voilà. Je suis venue aussi mettre des petites épaisseurs. Donc là, je l'ai pas. Je l'ai laissé au milieu. Là pareil derrière, petit tampon. Hop, donc voilà. Donc là déjà j'en ai 3. Donc pour ceci, je
je vais choisir du coup je vais prendre hop, on va faire en premier je suis en train de voir ce que je fais en premier déjà je coupe un tout petit peu, donc je vais vous montrer. Je prends mon petit massicot. Je coupe quasiment rien. Hein. Voilà ce que je coupe. Franchement, il doit faire même pas. Il fait 3 mm. Ah, c'est un tout petit truc. Donc je coupe d'un côté et de l'autre, il est coupé. Ah, ben il est coupé déjà. Bon. Donc d'un côté et de l'autre. Donc voilà, pour qu'après on puisse mettre notre, vous voyez, comme ça. Donc moi en premier je vais faire la couverture, donc pour ça je choisis un papier, donc je pense que je vais choisir celui-là. Oui, hop, je choisis celui-là. Je prends ma colle qui est, hop, qui est là, je regarde, il faut que je coupe un peu, donc je vais couper un tout petit peu de chaque côté, hop. Vous voyez, j'ai quasiment rien coupé, on va faire 3 mm aussi. Je viens voir, vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez, moi, je vais couper encore un petit peu. Donc, je viens couper un tout petit peu. Je suis désolée pour le bruit. Et là, normalement, c'est bon. Pourquoi j'ai un petit qui n'est pas. Je suis désolée, je suis maniaque. Sauf que comme c'est pour vendre, je ne vais pas non plus faire n'importe quoi. Et je pense que là, il y a un côté. Voilà. Pardon. Excusez-moi, j'ai ma carte qui tombe. Vous voyez, il faut toujours vérifier quand même. Puisque là, vous voyez, j'ai un côté qui n'est pas droit et l'autre côté non plus. Pour ceux qui seraient intéressés, mon massicot, il vient de chez Fourmi Créative. D'accord. Moi, je... Franchement, travaille qu'avec ça, il est petit, mais franchement pour les petites choses comme ça, moi je trouve que ça va. Donc là je viens ancrer avec ma Distress Contouring. Je sais pas si vous allez voir. Donc je prends mon petit, j'ancre puisque je veux qu'il soit, qu'il fasse vintage. Voilà, je le garde à côté parce qu'on va encore s'en servir. Donc là, je viens avec ma colle. Donc, la colle que vous voulez. Hein. Après, pour un papier fin comme ça, j'évite d'utiliser j'évite d'utiliser la colle de chez Action puisque elle fait gondoler ce papier là. Donc j'évite, voilà, j'ai la taquille lui aussi mais j'utilise pas
Vu qu'il est tout fin, donc j'ai utilisé une pointe toute fine. Ça suffit, c'est très bien. C'est juste pour coller, c'est juste une petite pointe de colle. Donc, je trouve qu'il n'y a pas besoin non plus de... Donc là, je prends mon papier que j'ai choisi. Donc, c'est le premier. Hein. Donc, je découpe tout ça. Hop. J'adore ce bloc là. Après j'en trouve pas dans l'action ni le nose de chez moi, donc du coup je le prends dès qu'il y en a. Je prends chez Vinted. Que le monsieur le vendeur de chez Action m'a dit que Action d'où je suis, c'est le dernier à être livré, donc du coup ça fait que on n'a pas forcément ce que les autres ont. Donc comme par exemple, on a eu la machine à foil, mais on n'a pas le papier. Donc, voilà. C'est un peu... Donc là, on vient placer, du coup, le... Voilà, quand c'est des petites pièces comme ça, j'essaie d'aller doucement, hein, parce que... Donc là, on essaie de positionner comme on veut. Je suis pas obligée de tout utiliser. Excusez-moi. Puisque des fois, une petite bande me sert pour toute la page. Donc, j'utilise pas tout. Donc là, je vais mettre de la mousse 3D. Je suis désolée, hein. Je vous explique même pas comment je fais. Je suis désolée. Je viens placer de la mousse 3D. Donc là, je l'ai un peu placée n'importe comment, mais bon. Ce n'est pas grave. C'est juste pour donner de l'épaisseur. Hop. Voilà. Vous voyez. Juste pour donner un petit peu d'épaisseur. Donc là. Je viens. Je suis désolée si vous écoutez la télé derrière. Je vais enlever. Mon papier. Hop. Là. Utiliser mes mini mousses, enfin mes mousses c'est galère, c'est ces petites choses là, c'est super beau, mais on en a partout. Un petit peu. Hop. Voilà. Ça, je me tâte à le mettre dans l'autre. Bon, attendez. Je reviens.
Bon, je suis désolée. Ma chienne voulait aller dehors, donc voilà. Donc, je suis venue tamponner du coup avec ces tampons-là de la marque Graphique 45. J'ai mis pour gagner du temps, j'ai mis deux feuilles. Donc, j'utilise les mêmes qu'ici pour que ça soit cohérent. Donc, je suis venue ancrer, j'ai collé et j'ai déjà fait la petite pochette. Voilà. Et je crois que je l'ai fait à l'envers. Non, c'est bon. Donc, voilà. Pour qu'elle soit comme ça. Donc, là, on va venir du coup tamponner. Donc, toujours dans le thème de l'oiseau. Je prends ma Momento noire. Vous pouvez aussi le faire avec la Momento marron. Voilà. Moi, je préfère le noir, que ça soit pas tout marron. Donc vous faites au feeling. C'est vraiment au feeling. C'est là le problème. Si je la fais, c'est que je suis obligée de repasser. Et c'est un petit peu galère. De faire quelque chose avec ça. Ouh là là. Comme quoi, faites attention à ne pas bouger. Parce que là, du coup, c'est une cata. Ah mince. Voilà. Ce que ça donne quand on veut faire tout. Du coup, très vite. Voilà. Je vais faire tout le tour. Voilà. Il faudrait que j'essaye de cacher cette misère. Avec ces tampons là, donc voilà. Donc, hop, désolé, donc on l'ouvre comme ça, hop, et hop. Donc, il me manque derrière. Donc, derrière, je fais que des tampons. Je ne fais que des tampons. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez utiliser du papier, vous utilisez. Voilà. Donc, normalement, je fais qu'une page avec vous hein. Je vous ferai, parce que là on est déjà à 19 minutes, je suis désolée. Donc voilà, du coup ça donne ça. Ah, petit cœur. Donc ça donne ça. Donc du coup ça, il faut vraiment que je trouve un... faut que je trouve quelque chose pour mettre ici.
trouver avec vous parce que ça me gêne. Ça me gêne de d'avoir ça comme ça. Donc du coup, je viens prendre. Voilà. On cache. Comme quoi, on peut toujours cacher. Même si vous vous trompez, excusez-moi. Au scrap, pour les débutantes, vous avez toujours une manière de rattraper. Vous voyez. Hop, j'ai rattrapé. Ni vu, ni connu. Donc là, il me manque derrière. Et derrière, vu que je vais faire ça, il faut que je voie qu'est-ce que j'ai fait aux autres. Il me semble que j'ai mis aussi une différente. On va utiliser la même feuille. Hop. Oui, je n'ai quasiment pas de colle. Puisque je trouve que ça ne sert à rien de mettre une tonne de colle. Puisqu'au final, c'est des feuilles toutes fines. Donc, elles vont forcément. Elles vont forcément. Je suis désolée, je la recolle. Là, vous voyez, hop, j'entre. Hop. Donc voilà. Donc toute simple. Donc celle-là, je n'ai pas utilisé de mousse 3D à part ici. Je trouve que voilà, il n'est pas non plus nécessaire de d'utiliser non plus de la mousse 3D tout le temps. Donc, hop. Donc là j'en ai déjà 4 pardon. Hop. Donc voilà. Donc je ferai les autres pages avec vous sûrement demain. Mais là ça fait déjà 23 minutes. Donc on va s'arrêter là et je ferai sûrement, vous aurez en ligne aujourd'hui ou demain, et je ferai l'autre partie avec vous du coup. Demain ou après demain quand j'aurai du temps. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto de page, de customisation de page vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, je ferai le reste de l'album avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page si vous aimez bien. À me soutenir aussi si vous aimez ce que je fais. Sur le petit, hop, vous appuyez sur le petit bouton, je sais plus là, oula, en bas. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.